on va voir deux choses, s'il te plaît. On va voir aujourd'hui une petite technique d'étranglement au-dessus. Et après, je vais faire je vous emmène sur un nouveau game. Hein? Il est grand. Il ne lâche pas. Ah oui, mon gars, il faut être régulé. C'est ça. Après, moi, je vais faire un jeu. On prend pas, mais. Les absents ont toujours tort. Il vient, il me dit non, on peut brater toujours. Regarde. Alors. Vous allez avoir cette position. Souvent, lorsque vous allez réussir à avoir le genou sorti ici, ou là, d'accord. Mais ça peut commencer par exemple ici. Moi, pareil, si jamais je veux commencer à contrôler Alexis et avoir un bon contrôle, je peux commencer par exemple à sortir son kimono. Je peux lever ma jambe, celui va avoir sa jambe ici, d'accord. Le ramener un petit peu là, casser sa jambe ici, revenir ici, et là. Je refais. Là, j'ai parlé chinois là. Je passe là, je peux être là ou là, et là il me jette, d'accord. Là je suis, on appelle ça le nishi, c'est le bouclier. Donc comment je fais pour casser ça, d'accord. Là je peux pas l'attaquer, donc ce que je vais faire, je commence à mettre un genou sur lui, je lève une deuxième jambe. Ce que je vais faire, si je peux, je vais finir ici. Souvent il va pas me laisser, donc j'attrape le kim, son bas de pantalon. Ce que je veux, c'est le mettre sur le dos. Parce qu'une fois qu'il est sur le dos, son genou ne me gêne plus. D'accord. Du coup, maintenant, mon genou, je vais le placer au sol. Et j'ai tué son bouclier. Ok. Là, maintenant, je travaille avec ça. Je prends le kimono. Ce pantimono, il est bien parce que souvent, lui, il veut revenir ici. Il peut, avec cette jambe-là, sa jambe supérieure qui est en protection, le kick est fort devant, c'est genre comme si tu avais un coup de bam, et pour se lever, aller derrière. Voilà. Du coup, ça c'est bien parce que quand vous avez un bon truc comme ça, voilà, vous plaquez l'épaule au sol et c'est difficile pour lui. Ok, maintenant ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que je peux inverser ici. Là j'ai vraiment très puissant. Souvent lui il veut continuer à revenir. Ok, il veut revenir. Donc ici, ce que je peux faire, c'est attraper le kimono, les boules d'un. Et là, vous connectez les avant-bras, comme on a l'habitude de faire. Vous allez faire deux étranglements ici. Donc soit il se lève comme ça, ou alors il peut ne pas se lever. Mais voilà, il est toujours rentré là, vous venez là, vous serrez. Donc ça, c'est, je connecte, je ramène vers moi. Une fois que vous avez ramené vers vous, donc voilà, je lâche un petit peu. Une fois que vous avez ramené vers vous, vous allez vers l'avant. Là. Boum. Ok. Donc... Excuse-moi. Non, c'est bon. Tout se fait. Là, boum. Ça, faites-le ce travail-là. Il est aussi important à la limite. On aurait pu juste driller ça. Mais faites-le. Je viens ici. Je ramène ici. Bam. Vous avez vu ma main? Je la mets là pour plus qu'ils sont. Tu vois, je prépare. Limite, j'exagère. Là-bas. Et je reviens. Faire un message. Là, j'ai le choix, je peux travailler pour passer la garde ou. Voilà. Ou alors, je peux travailler avec le lapel et me dire que je vais passer la garde, je ne vais pas étrangler. D'accord. Vous avez le choix. Mais au moins, lorsque vous avez ça de sortie, vous contrôlez. Vous avez un contrôle et ça vous laisse le choix soit de passer, soit d'étrangler. D'accord. Alors, en partant du principe où je vais étrangler, donc je peux revenir un petit peu sur lui et j'inverse mes mains. Un peu de pression, toujours. Souvent, il va repousser un petit peu. Ok. La variante que vous allez faire d'ici, c'est si j'y vais et qu'il met sa main là, son bras pour m'empêcher de l'étrangler, j'attrape sur sa main, je vais attraper ce que je peux. Admettons, je t'étrangle. Je vais la défendre. Ce que je vais faire, je ramène son bras ici. Celui-là encore plus. Ouais. On est dans le bras tête. Hein. Je voulais le bras tête. Alexis, vous êtes celui-là. Donc, on est là. Bam. Bam. Souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous empêcher.
parce que là, il sait que ça va être chaud. Donc, vous feintez d'y aller, boum! Vous pouvez prendre le poignet, ou des fois, ça va être là. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va monter. Et le torse, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Pardon? Je refais voir, une dernière fois. Pas les tremblements, mais... Comment je vais me débarrasser de l'unishield? Je prends là, parce que j'ai besoin d'un levier.